Salut. Et aujourd'hui, on est toujours chez Sony. On a passé du temps chez Sony. Parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous montrer, et notamment des appareils photo compacts. Et oui, ça existe encore. Et donc, le petit Renaud qui est à côté de moi, là, il va nous en dire plus. Sony, pour cette IFA 2018, nous sort deux compacts à capteur, petit capteur, un sur 2,3 pouces, donc le HX95 et le HX99. Qui reprennent en gros les spécifications de la précédente gamme, donc avec un capteur 1 sur 2,3 pouces, 18 millions de pixels. On va retrouver le très bon zoom 30 x 24 euh, 720 mm qu'on avait déjà testé sur le précédent modèle, donc c'est vraiment un zoom hyper intéressant. Comme vous pouvez le voir, il tient vraiment dans une poche. Et on a quand même dedans un zoom 30 fois. On va retrouver le viseur électronique escamotable, l'écran orientable. Alors, nouveauté donc du 99, l'écran sera tactile. Et donc, la nouveauté de cette gamme, donc, c'est l'introduction des nouveaux processeurs traitement d'image que l'on retrouve déjà sur les modèles haut de gamme fin chez Sony, qui vont nous permettre d'avoir donc une meilleure qualité d'image, qui vont nous permettre d'avoir de la vidéo 4K, qui vont nous permettre d'avoir des rafales à 10 images par seconde. Voilà, donc vraiment enfin, du modèle haut de gamme. On va être sur des produits à 500€ et 520€ sur le modèle tactile, puisque c'est la seule différence entre les deux boîtiers, c'est l'écran tactile. Voilà, et au niveau, donc cette puce va nous permettre aussi d'avoir l'autofocus avec la reconnaissance des yeux qu'on a également sur les modèles Alpha 7 haut de gamme. Voilà, c'est les principales nouveautés côté photo pour cette IFA.